Fazaka, bonjour. Voilà, on est là. Aujourd'hui, c'est samedi, je suis en route pour Lomé. Voilà, donc. Ça, c'est encore une vidéo très importante, donc restez connectés, restez en vie. Voilà, je vais essayer de vous faire une très bonne vidéo aujourd'hui. Voilà, pratiquement, il est. Disons, il est 7h02 à Accra. Là, dans quelque chose de 20 minutes, je serai à la gare. Voilà, une fois à la gare, je vais essayer de prendre une voiture pour Lomé. Là où je vais essayer de vous présenter la ville de Lomé, vous allez essayer de savoir c'est quoi les actualités de Lomé. Je prendrai l'occasion pour présenter le grand marché de Lomé, mais aussi le musée national. Et bien, sans oublier aussi le grand stade de Lomé. Donc vraiment restez connectés pour ce week-end. Vous allez essayer de recevoir la bonne qualité. Donc c'est ça, je suis maintenant à Accra. Donc je suis dans mon quartier, maintenant je sors. Voilà, donc je suis avec un chauffeur qui est là. Voilà, un chauffeur au bas. Et donc restez connectés, on est là, on est là. Et là, ça sera du bon, ça sera du bon, ok? Voilà, ça sera du bon. Donc, à tout à l'heure. Ben, je vais essayer de vous présenter un petit peu la ville de Accra pour ceux qui ne sont pas là. Voilà, vous allez essayer de voir un petit peu. Bien avant que je ne sois à la grande gare, je m'embarquer pour Lomé. Vous allez essayer de voir quelques images. Merci, à tout à l'heure. Là, nous sommes sur la voie principale maintenant. C'est cette voie qui nous mène marché de Accra, qu'on appelle Makola, très important, on peut l'appeler Toudou. Donc c'est cette voie qui vous mène là-bas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de Aladjo, Aladjo, voilà, juste au fond là-bas, au fond, dans ce bas-fond, c'est là-bas qu'on appelle Aladjo. Voilà, donc c'était ça. Je vais essayer de vous conduire un petit peu, vous allez essayer de voir. Il est actuellement 7h. En Côte d'Ivoire, on appelle ça Bakar. Bakar. Je ne sais pas comment on appelle ça au Bénin. Non, toujours. Voilà. Donc, mais je sais une chose. Au Kenya, on appelle ça Boda Boda. Boda Boda. Donc, si vous parlez au Kenya, je vais essayer de faire une vidéo dans ce tranchant là. Vous allez essayer de voir à quoi ça ressemble et comment les gens se comportent là-dedans. Bon, c'est très simple. Donc, maintenant nous sommes toujours sur la route et c'est ce petit carrefour juste là où il y a le feu rouge, c'est là-bas qu'on appelle on appelle là-bas Capra Junction. Capra Junction. Donc, ben voilà. C'est ça. Et nous sommes presque à un coin, à un carrefour qui est vraiment reconnu qu'on appelle cercle. Cercle. En français, on dit le cercle. Bien, le carrefour a la forme d'un cercle parce que là, c'est un pont qui est extrêmement grand et ça a la forme du cercle. Et comme ça a la forme du cercle, voilà, ils ont décidé d'appeler. Vous allez essayer de voir le pont. Voilà, il y a une voie qui part en haut. Il y a une autre qui descend vers le bas là-bas. Et bien voilà, vous allez essayer de voir le pont. Bien. C'est vraiment balèze, hein. C'est à la forme du cercle. C'est vraiment balèze. C'est vraiment balèze. Donc c'est ça. Maintenant on descend. Voilà, on descend, on descend. Exactement. Donc c'est ça, c'est cette voie maintenant qui va essayer de nous prendre directement vers
notre gars vers la station. Je fais aussi une vidéo qui va nous parler de... Ben là, je suis à la gare maintenant, ça fait presque 30 à 40 minutes, on n'a toujours pas bougé. Je suis fatigué, voilà, je suis fatigué. Voilà, bon là, nous sommes sortis de la ville. Ici, c'est une zone, avant de passer, tu dois payer de l'argent, voilà. Ben voilà, le chauffeur a donné de l'argent, c'est ça. Ça, c'est une voie qui est vraiment privée avant de passer à Cotarie. Ce sont des petits jetons généralement. Ils sont plus dans la ville maintenant, ils sont sur la voie. C'est une petite voie nationale qui nous mène vers la frontière. Voilà. Ici, nous sommes à une zone là où chacun va essayer de descendre pour prendre quelque chose. Voilà, ben là, moi je suis en train de prendre de l'igname. Oui. Ben voilà, ça c'est de l'igname avec du poisson. Where's the fish? The first three cities and two cities. Which one is two cities and then three cities? Yeah, three cities. Okay, give me one for three cities, okay? Voilà, donc je suis en train de prendre le poisson. Et... Two cities. Three cities, three. Yeah. Ben maintenant, je vais essayer de venir dans la voiture. On va aller maintenant. Voilà. Donc, c'est ça. À tout à l'heure. Nous sommes maintenant à 30 minutes de la destination. Ouais, ça n'a pas été facile. C'est bien. Vous allez voir la destination dans un instant. Bien, nous sommes à 13 minutes. Voilà, nous sommes à 13 minutes. À notre destination. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Du voyage. Et lorsque je vais entrer aussi dans la ville de Togo, je vais essayer de vous prendre aussi là. Là où j'ai réservé ma résidence. Donc, restez connectés. On est presque à la fin. Je suis un peu plus de temps.